J'ai fait des photos il y a 15 jours des Sakula des Flandres. Oh là! Un des 9 cercles de l'enfer. Là, manger au resto en face, là, c'est pas mal. Vous avez la vue qui donne sur cette rive-là qui est illuminée. Ça se défend pas mal. Donc ce soir on fait le check juste pour voir où ça en est, pour décider ce qu'on fait, et de ce que je vois ce soir, du coup mercredi on va venir faire le tour. On va faire la grande boucle. Je me prendrai un ou deux sandwichs que je me mangerai tranquillement sous les Sakula. S'il pleut pas, ce sera pile poil. Est-ce qu'il faudrait que je monte un peu l'expo pour que vous voyez un peu plus, faut me le dire. L'expo, elle est là. Là, ok. Ils ont amené les verres de vin et tout. Ils se mettent très très bien. Les ballons, plusieurs bouteilles d'alcool différents. Ceux à droite, ils étaient très bien. Bon, après, le besoin de sortir le smartphone pendant un date aussi romantique, je trouve ça un peu relou. Mais... j'ai hésité de me demander si c'était pas Talokun sur la gauche. Mais même si c'est lui, comme il est avec une demoiselle, on va éviter d'aller le faire chier. On va pas casser les dates. On verra plus tard. Je lui enverrai un petit message pour lui demander si c'était lui. Là, encore un petit peu dépouillé, mais c'est pas si mal. Être sur un bateau, il y a un karaoké, c'est le troisième cercle de l'enfer. Et être sur ce petit bateau où tu es à 4 tranquillement à manger ton petit pique-nique, qu'est-ce que t'en penses? La maman qui veut prendre la photo de toute la famille devant les cerisiers. Mettez-moi en ligne, mettez-moi en ligne. Et les mômes qui courent dans l'autre sens, en toute logique. Il n'y a que la moitié des éclairages qui sont mis pour le moment. Les illuminations peuvent être plus fortes que ça. Il n'y a qu'un projo sur deux qui est allumé. Attention, nous allons atteindre un coupe-gorge. Nous allons passer sous un pont. Il fait noir. On ne voit pas les détails de la route. On ne voit pas ce qui se cache derrière les coins. Nous nous lançons dans l'inconnu. L'obscurité est immense.
Ça donne un aspect beaucoup plus dramatique sur l'écran que dans la réalité, en fait. Hein. Et voilà. Et là, tadam ! On sort et mon expo ne rend pas du tout justice au truc. C'est là quand même que tu voudrais avoir la GoPro, quoi. Bon, je suis à l'expo max. J'y peux pas plus que ça. Mais je crois que vous distinguez quand même qu'on a des cerisiers qui sont bien partis. Les filles au boulot qui me disaient « Mais non, c'est pas parti encore les Sakura, Sakura no Mia, que dalle. Pas tout de suite. » Mais si. Mais bien sûr que si. C'est Papa Gâteau qui a raison entre deux schizophrènes. Par contre, je me dis que comme je vois vraiment pas de poubelle, eh ben, les gens ont été pris de court. Et du coup, je pense qu'il n'y a pas vraiment eu de pique-nique de jour. Il n'y a pas eu d'effet massif de pique-nique sous les cerisiers. Bon, il y a l'effet Covid, bien entendu, mais... Si on avait eu beaucoup de pique-niques, on aurait des tas de poubelles dans certains coins. Et là, il n'y a pas.